grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, en tant que reine de l'information, a épluché dans sa vie plus de journaux que de légumes, Christine O'Krent. Une grosse tête qui a fêté son anniversaire hier, ce qui prouve qu'Adolphe Ramirez fait de la résistance. Adolfo, pardon. Gérard Jugnot. Une grosse tête qui vise un Molière au théâtre et qui se retrouve avec un Gérard à la radio. Valérie Mérès. Une grosse tête qui, il y a quelques années encore, indiquait où était la queue de l'appareil quand il était steward et qui continue à le faire, mais sans l'appareil. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui est là depuis moins d'un an, mais qui a déjà parlé pour 10 saisons entières. Sébastien Thoer. Et une grosse tête dont la digestion dure de 15h30 à 18h. Oh. Bernard Mabille. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait, Toen, encore? Oh là là, mais non, mais c'est la connasse. Vous avez renversé. C'est la connasse, pardon, mais la stagiaire. Mais des couches. Qui m'a filé 3 verres. Deux, ça m'aurait suffi. J'aurais dit 2 verres. Merci, Patrick. Humour. Applaudissements tout de suite. Ah oui, Patrick Devers, oh là 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 là. Ça fond, mais vous êtes qui? Vous n'avez pas compris? Ça marche non, deux par Dieu. Oh, ah, il est là, le vieux, cool. Bernard, vous laissez pas faire par Toël. Oh, je m'en fous. Ça me fait plaisir de le voir, Bernard. Et la fois, c'était quoi? C'était à l'EHPAD? Profite, profite, parce que il n'y en a plus pour longtemps. T'as reçu mes petites fleurs et mes chocolats? Yes, oui. Oh, ça va, là. Non, mais c'est bon, elle a filé 3 verres. Bon, j'en ai 2, ça va. Elle est pas là, Mérès? Ah si, il est là, cool. On va se marrer. Mais il est désagréable, c'est un peu comme ça. Je t'emmerde, la tata, ok? J'en ai rien à foutre, j'ai un contrôle fiscal, j'ai la haine, là. Souillon. Arrêtez de vous fâcher avec tout le monde ici, monsieur Toen. La tata, le tonton. Tu prends tes aises, hein? Si vous croyez que je me fâche avec lui parce qu'il dit que je suis pas drôle, je m'en fiche. Et attends, on va parler du physique, on va se marrer, tu vois. Mais attends, il y aura les fringues, les fous, après, il y aura ça. En parlant de cheveux, comment il va, Junio? Alors là, je voudrais bien te voir dans 2-3 ans, toi. Même pas dans 3 heures. Dans 3 heures, j'en ai plus. Vous avez remarqué, il ne touche pas Christine O'Krent. Oui, ça va pas durer. Ah bah moi, je l'ai jamais raté dans Interville, donc j'ai trop de respect pour elle, là, vraiment. C'était incroyable. Alors, c'était toi dans la vachette? Bon, ce type est fou. Jean-Philippe, défendez-vous un peu aussi, vous. Ben moi, il m'a pas attaqué. Ben si, vous avez dit tata. Ben c'est pas une attaque. Ben alors, c'est pas vrai. C'était son surnom. C'est Tati, même. Mais une première citation pour Claire Plem, qui habite Danemarie sur Crète, c'est dans le Doubs. Qui elle a envoie dit... des questions, Claire Kem. Pardon? Elle envoie des questions. C'est pas Claire Kem, c'est... Ah bon. C'est pas Claire Kem, c'est Claire Plem. Ah, celle qui est avec Lisa Razou? Ah, Plem. Enfin, il paraît. Oh bah, il se fait dire un joli couple, là, dites donc. Un joli couple, ouais. Moi, j'étais avec des hétéros, donc. Pardon? J'aime pas les hétéros, donc. Lui, il est resté beau, elle est belle. Lui, il est resté beau depuis la Coupe du Monde, il n'a pas changé. Hein. Ouais, il a un visage un peu plus souriné, mais. Arrête, on dirait un Portugais, il est tout assez. Non, ben. Non, mais parce que à TF1, quand ils commentent les matchs, ils le prennent de haut. T'as pas remarqué qu'ils mettent la caméra en haut? Comme ça, elle est en descente, comme ça. Mais lui et Margoton, qui commentent les matchs d'équipe de France, sont tout petits, comme ça. Margoton, il fait 1m20, il a failli faire fort moyen. En même temps, c'est pas faux, dis donc. Mais oui, c'est vrai. Et Lisa Razou, il est tout trapu, comme ça, comme tous les rugbyman, ça finit mal. Il est peut-être tombé du baby-foot, mais il est beau. C'est vrai qu'il est très sexy, alors, dites donc. Mais il a une toute petite bite, et ça, c'est chiant. Si, c'est Zidane qui me l'a dit. Qui a dit « Si les choses étaient vraiment ce qu'on voulait qu'elles fussent, il se trouverait encore des gens pour regretter qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient. » Aïe, ça commence. Pierre Dac. Pierre Dac, excellente réponse de Gérard Jugnot.